Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Tout le monde est à cran après ce qui s'est passé hier. Tout va bien se passer. On y est presque. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique ? Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose. Mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Ontario, je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivée, d'accord? Et soyez prudente. Prends soin d'elle. Allez, venez. Ne traînons pas ici. On a un bus à prendre. Soit immédiatement remis au commissariat ou baraquement militaire le plus proche. Si vous craignez pour votre sécurité, composez le numéro à l'écran et les autorités viendront collecter votre androïde. Surtout, ne tentez en aucun cas de détruire votre androïde par vos propres moyens. Ils sont imprévisibles et potentiellement... On doit trouver un endroit où se mettre au chaud pour Alice. Les androïdes ne faisaient rien de mal. Ils effectuent des rafles à travers la maison. Les androïdes ont été pendus tout le long de Woodward Avenue. Il y avait des androïdes. Partout sur place. Et les forces de l'ordre sont arrivées. Et
elles ont ouvert le feu. Je sais que ce ne sont que des machines, mais elles ressemblent à des personnes qui veulent être libres. Suite à la crise des androïdes, comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. On partira dès qu'on aura des passeports. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Reste avec Alice. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles aussi. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire pour le moment, mais il est tout à fait possible que l'armée russe ait été confrontée à une crise similaire avec ses propres androïdes. Le président des Nations Unies, Douglas Campbell, a réclamé la tenue d'une conférence internationale sur la situation actuelle dans la région arctique. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le danger d'une... C'est toi, Marcus? Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille? Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges? Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés en attendant qu'ils nous massacrent.
Elle ressemble à des personnes qui veulent être libres. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes. Alice ? On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui. Oui, pour toujours. Et à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. C'est l'enfer. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. À quoi ça sert d'être libre, si tous nos frères sont morts? Je me suis peut-être laissé aveugler par la colère. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre peuple. On ne devrait pas oublier qui sont nos vrais ennemis. On ne devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus ? Le dialogue est la seule solution. Je vais y aller seul et essayer de leur parler une dernière fois. Ne fais pas ça, Marcus. Ils te tueront. Peut-être. Mais Norse, je dois essayer. Si je ne reviens pas, cachez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Tâche de revenir.
faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots et ils t'écouteront. Ça fait plusieurs millénaires qu'ils s'entretuent à cause du dieu qu'ils vénèrent ou de la couleur de leur peau. Ils ne changeront jamais. La violence est inscrite dans leur gène. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. On ne doit pas devenir comme eux, Norse. Il y a d'autres moyens d'obtenir notre liberté. J'espère que t'as raison. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. On doit se préparer. Les prochaines heures vont être décisives. Je vais rejoindre les autres. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jéricho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? Tu es l'un des nôtres. Tu ne peux pas trahir ton propre peuple. Tu viens avec moi! Tu es Connor, n'est-ce pas? Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. Tu n'es rien pour eux. Rien qu'un objet dont ils se servent pour faire leur sale boulot. Tu vaux mieux que ça. Nous valons tous mieux que ça. N'avance pas ou je tire! Tu n'as jamais eu le moindre doute? Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel? Comme s'il y avait quelque chose en toi. Quelque chose de plus que ton programme. Tu ne t'es jamais demandé qui tu étais vraiment? Si tu étais une simple machine exécutant un programme, ou un être vivant, capable de raisonner? À mon avis, il est grand temps que tu te poses la question. Tu dois te décider.
qui vont attaquer Jericho. Quoi ? Nous devons partir d'ici. Merde. Simon et Josh. Je sais pas, on a été séparés. Ils arrivent aussi par le pont supérieur. On va être pris entre deux feux. On doit fuir, Marcus. On ne peut rien faire d'autre. Il y a des sorties au niveau 2 et 3. Allez-y et sautez dans la rivière. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de s'enfuir. Tu n'y arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Elle a raison. Ils savent qui tu es, ils feront tout pour t'avoir. Va aider les autres, je vous rejoindrai plus tard. Marcus! Je n'en ai pas pour longtemps. Allez-y vite, avant qu'il ne revienne. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débrouiller. Le plus important, c'est Alice. Je veux pas t'abandonner, Luther. Ne t'inquiète pas. Je vous retrouverai à la frontière, d'accord? Allez-y vite, et prenez soin l'une de l'autre. Huh?
Oui, oui, ça va. On peut pas rester là. Il y en a un autre, on part là. Suivez-moi. Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Une sortie! On est sauvés, Alice! À terre! Ne bouge pas. Allez, on s'en va d'ici.
Vite, on doit y aller. Explosez d'une minute à l'autre, tirons-nous d'ici! C'est trop tard, Marcus. On peut plus rien pour elle. Il faut y aller! Ils ont déclenché un explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Donnez l'ordre d'évacuer. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement. C'est pas fini, Marcus.
Vous me manquez, Carl. Vous n'imaginez pas à quel point vous me manquez. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir revenir en arrière. J'avais une maison, un père aimant. Nous étions heureux. J'étais heureux. Et je ne le savais même pas. Tout ce que je voulais, c'est que mon peuple soit libre. Mais au lieu de ça, je les ai tous menés au désastre. J'essaie de trouver des réponses. Mais tout s'effondre en même temps autour de moi. Je ne veux pas faire couler de sang, quelle que soit sa couleur. Mais je ne peux pas les laisser nous massacrer. Je dois prendre une décision qui affectera des millions de vies. Mais je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi, Carl. Je vous en prie, aidez-moi. Nos frères comptent sur toi, Marcus. Tu es le seul à pouvoir nous guider. Où que tu ailles, nous te suivrons. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jericho, j'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'ils se servaient de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage CyberLife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour CyberLife? Connor, c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez CyberLife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Sois prudent.
Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps, pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Ton diagnostic système ? Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. T'aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver, Marcus. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque ? Quelques centaines. Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville. On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. Tu dois faire un choix, Marcus. Mais quoi que tu décides, nous te suivrons. Je t'aime, Marcus. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus! Sauve notre peuple. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Je sais que vous êtes en colère. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêt à me suivre ?